Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur The Crew 2 pour les nouveautés de la semaine. Alors oui, je sais, la vidéo sort un petit peu de retard, parce que tout simplement je me suis réveillé trop tard aujourd'hui. Du coup, j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo comme je fais d'habitude dans les environs de 7h du matin. Du coup, on commence tout de suite par les nouveautés de la semaine. On va aller voir dans la boutique de vanité. Alors on ouvre la boutique. On peut voir qu'on a un pack de démons. Ici, il me coûte 14 000 pièces CC. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a, j'ai presque tout à part le néon. Donc, on a la Dodge Challenger SRT Daemon, de la fumée rouge, le pneu Burshima rouge. Je ne sais pas vraiment très bien prononcer. Et enfin, une paire de néons rouge aussi. Du coup, le pack, si vous n'avez pas tout. Comme moi j'ai ici, je sais pas vous dire le prix. Malheureusement, vu que j'ai déjà quelques objets, le pack me coûte moins cher. Ensuite, on a un deuxième pack, le Perfect Match. Dans ce pack, on a la Dodge Challenger SRT, la Ford GT de 2005, la Nissan 370Z que je n'ai toujours pas, du coup, on va devoir acheter le pack. Et enfin, la TVR Griffith. Du coup, on achète le pack pour avoir la petite Nissan. Voilà, le pack est acheté. Il nous reste un pack à acheter avec des pièces CC. On a de la fumée rouge Low Poly. Le pneu Anturfi Rally. Oula, pardon. Et Underglow Laser Last. Ce qui va très bien sur la Mitsubishi qui est juste sublime. Du coup, je n'achète pas ça. Les PCC, je les garde pour les boutiques de vanité. En nouveauté dans les vanités, on a la fumée étincelle partie. Je suis pas fan. 55 000 pièces CC, parce que 56 000 pièces CC, je trouve ça vraiment extrêmement cher. Même si en soi, c'est pas trop dur d'avoir des PCC sur le jeu gratuitement, mais. Un nouveau klaxon, le Jay-Z. Non, franchement, je n'en suis pas fan. Il n'y a pas moyen de rire avec ce. Enfin, voilà. Enfin, c'est pas drôle, quoi. C'est pas comme le P. Ceux qui suivent mes lives savent. Ensuite, la fumée Groovy qui fait son retour. Voilà, là, le style, mais je suis pas fan de toutes ces choses-là. Maintenant, pour ceux qui aiment bien, voilà, ça fait son gros retour. On a aussi la fumée multicolore. Les pneus énergie qu'on a déjà vu. Donc, en fait, tout ça, on a déjà vu la fumée nitro verte qui fait ce retour. Personnellement, je vous la conseille. Moi, je l'ai. Et je trouve que la couleur verte pour un nitro, c'est plutôt pas mal. On a aussi des vues teintées noires. Que ça, par contre, je vous déconseille. Sachant que les vues teintées, on peut les faire nous-mêmes dans les vanités. Enfin, dans les livrets, pardon. Du coup, pourquoi payer si on peut les faire nous-mêmes? Et alors, en fait, le reste, c'est du vu et revu. On peut maintenant passer au live summit de cette semaine. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Parce que oui, la course New York est là. Du coup, bonne chance à tous. Personnellement, je sais pas si je ferai la course New York au live summit. Je suis pas prêt à faire une demi-heure de course pour avoir la Ferrari F40. 40 LM, sachant que voilà, ça reste une Ferrari F40 et on a déjà la F40. Du coup, voilà, moi je n'aime pas trop les voitures remasterisées, peu importe si elle est meilleure, moins bonne ou quoi. Moi je veux des nouveaux véhicules, je veux pas des véhicules remasterisés. Enfin, bref, on va commencer avant de vous montrer le nouveau pour la Lotus Evora GTE qui sera en or pour le summit du 3 au 10 juin. On peut voir qu'on a des vues teintées bleues en argent, 300 000 followers. Et à mon avis, ça doit être un néon disco, qui a l'air assez bizarre. À voir ce que ça donne. Donc ici, c'est déjà vu pour le 27 mai au 3 juin. On a vu ça la semaine
passée. Celui-ci aussi, on a vu la semaine passée. Et alors, cette semaine, on peut voir que avec aucune restriction, on a un radar, une fuite et un slalom. En hypercar, il a 812 super fast. Une autre hypercar, il a 488 pista. Une street race avec la Berlinetta. Une autre street race avec la F40, donc ça promet. Une épreuve en touring car avec la 599XX Evo. Et une dernière touring car avec la Ferrari, donc n'importe quelle Ferrari. Du coup, voilà, je vous souhaite à tous bonne chance pour ce summit. Personnellement, ça promet. Je pense pas être plus platine, mais je vais essayer d'être or du moins. On verra si je live ce soir ou cet après-midi sur The Crew 2 pour faire le live summit. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Du coup, voilà, à tout à l'heure, tout le monde, c'était Jabello. À la prochaine.